I want you to learn what African heritage music is. Did you understand that? I wasn't listening, just kidding. Yes, when I was his age, it was like, yeah, singing, that's my mother too, and now I'm so proud of it. Start to win money and more because you travel all over the world, a nomination and all this recognition of the media. Then she said, my daughter makes money. She's a businesswoman. Yeah. And say, how much they pay you? But for mother, it's impossible. First, ce que maman disait au début, it's impossible because in Africa, music it's everywhere, and so it's impossible to become a great person with music. I start to talking about how the money, we win money in the business world. Okay, then you do not well. I want to show what is the real African ethnic sound. You do like white people. Then she created the Nabindibo. Then it's typical ethnic, because it's true. I cannot do typical ethnic. J'ai découvert par Marie que la musique est très importante par Marie, quand Marie l'a commencé. Parce que c'est nous, on dit toujours la musique, ça ne vaut rien. Mais tandis que quand Marie l'a commencé, j'ai vu que la musique est très importante aussi, qu'on ne devait pas toujours mettre de côté la musique. Mais pour nous, comme on nous avait appris, les Européens nous avaient appris, on suivait ce que les Européens nous avaient appris. Et tout ce que les Africains y font, on croyait que ce n'était pas bon. C'est après que j'ai découvert, quand je suis déjà vieille, comme quoi que c'est nécessaire de ne pas abandonner sa tradition, qu'il faut respecter sa tradition aussi. When I was 20, I make a dream. There is a castle with